Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello. Donc voilà, je vous embarque avec moi dans ce vlog. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je partirais quelque part cet été. Eh bien ça y est, on y est. Et nous partons à Tenerife, aux îles Canaries. Donc voilà, nous sommes à l'aéroport. Avec la chance qu'on a, notre vol a été retardé de 50 minutes. Évidemment, hein, les chats noirs, il fallait à tout prix que ça nous arrive, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, donc là, écoutez, on est à l'aéroport, on a passé les trucs de sécurité et tout. Et là, on va aller voir pour peut-être manger un petit truc. Donc, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Donc voilà notre repas du midi de clochardin. Non mais franchement, les prix des trucs dans les aéroports, bon on le sait de toute façon, hein, mais c'est abusé. Les trucs là-bas c'était... Le pire c'est la bouteille d'eau quoi. Ouais, la bouteille d'eau. 2,80€ la bouteille d'eau, 50 centilitres. Laisse tomber quoi. Donc bon bah voilà, on va manger tranquille et puis je vous dis à tout à l'heure. Ça y est les amis, nous sommes arrivés à Tenerife. Donc nous avons eu un atterrissage un peu chaotique parce qu'il y a énormément de vent. Il y avait des rafales de plus de 60 km/h de vent, c'est ça qu'il a dit? C'est ça, ouais. Donc ouais, on a mis un bon moment à atterrir parce que je pense qu'à mon avis le pilote il a voulu atterrir lentement pour pas que ce soit trop extrême. Mais on a quand même eu un atterrissage violent quoi. Violent, ouais. Très violent. Mais bon, sinon ça va, on a survécu, tout va bien. Et bah écoutez, maintenant, priorité, je vais m'en fumer une. Et après, on va essayer de prendre un taxi pour aller au logement du Airbnb qu'on a loué. Donc voilà, en tout cas, c'est très joli, il y a plein de palmiers. J'aime beaucoup, il fait bon et il y a beaucoup de vent. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Ça y est les amis, nous sommes dans le taxi vers notre logement. Ah c'est beau, beaucoup de belle végétation. Ah oui, voilà. Magnifique. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop. Ils sont sympathiques les gens. Ça y est les amis, nous sommes arrivés dans le Airbnb. Donc écoutez, il est très 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 joli. Là on a un très 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 grand lit. On a une cuisine tout équipée. Enfin il y a tout, il y a le micro-ondes, le four. Enfin il y a tout. Juste je crois qu'il n'y a pas la clim hein. Mais je trouve qu'il fait pas chaud. On vous a donné un ventilateur. On a un ventilo, mais je trouve qu'il fait pas chaud de toute façon. Donc là-bas il y a la salle de bain. Et alors la terrasse les amis. Regardez-moi ça, on a une vue sur l'océan et là en bas c'est la piscine. Ouais, beau gosse, on est pas bien là? Ah mais trop bien. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment vraiment magnifique. Et donc on est à quelques mètres de la plage, donc ça c'est super. Et puis là, bon bah écoutez, voilà, plein de palmiers, c'est magnifique, il fait très bon. Il va falloir enlever déjà les trucs. C'est super. Donc voilà les amis, on va se poser, on va... Ah ouais, il y a un frigo dehors. Et un dedans. Et un dedans, ça c'est très bien. Donc écoutez, on va se poser, on va poser nos affaires, etc. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Voilà les amis, nous sommes dans un petit
supermarket. Et on va s'acheter des petits trucs un peu genre du café, du lait, des trucs comme ça, à boire. Donc bah écoutez, c'est très mignon, c'est un petit supermarché quoi. Donc on fait nos petites courses et puis voilà. Ah bah voilà, on a trouvé le café. Re les amis, bah écoutez, là on se balade un peu. On est rentré entre temps déposer nos courses et se changer. Et là on se balade un petit peu, on va voir si on trouve un petit endroit sympa pour manger. C'est bien ici? Comme c'est canon. Ouais, c'est magnifique, hein, regardez. Il n'y a que des petits trucs comme ça pour manger en bord de mer et tout. En tout cas, je suis trop contente parce que notre Airbnb est vraiment au pied de la mer. Regardez. Excusez-moi, j'ai étranglé Carmela avec le fil de l'appareil. Mais on est vraiment à la mer, quoi. Enfin, l'eau est bonne. Là, bah oui, il y a des gens qui se baignent et tout. Je me demandais si l'eau était bonne parce que c'est vrai qu'il fait moins froid qu'à Cannes. Il fait moins chaud, pardon, qu'à Cannes. Il fait meilleur. C'est parce qu'il y a du vent. Mais en tout cas, regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a tout. Il y a tout. Il y a des petites boutiques super sympas. Il y a des supérettes partout. Il y a des petits magasins de souvenirs. Il y a de tout. Il y a une dame qui fait des tresses. Il y a une dame qui fait des tresses. Il y a des salons de tatouage. Il y a des trucs de beauté. Des trucs de massage. Enfin, il y a tout en bas de chez nous. C'est génial. Donc, bah, écoutez, voilà, on va trouver un petit endroit pour manger. Puis je vous montrerai ce qu'on va manger. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, nous sommes le premier jour officiel de vacances, sans trajet, sans l'avion, sans machin. On est déjà ici. Regardez la vue. Oh là là, j'adore. C'est magnifique. On a assisté au lever du soleil. Oui, parce qu'on s'est réveillé très tôt. Parce que j'avais oublié d'enlever mon réveil. Et du coup, bah voilà, on a assisté au lever du soleil, c'était magnifique. Il y avait encore la lune quand on s'est réveillé. Alors programme de la journée. Là, on va aller dans un petit centre commercial pour acheter 2-3 trucs. Racheter du lait notamment, parce que la bouteille de lait, elle nous a duré un matin. Voilà, on va racheter du lait. Hello. Hello. Les orangeades ensemble. Et du coup, après ça, on va rentrer déposer nos courses et puis après, on va aller à la plage. Et moi, j'ai trop hâte d'aller à la plage, j'ai envie de faire plein de belles photos. Je me suis acheté un bikini magnifique, donc j'ai envie de faire des photos. Donc voilà, ça va être magnifique. Donc écoutez, pour l'instant, je vous laisse. On va se boire un tout dernier café avant de partir. Et après, on va y aller. Et d'ailleurs, je pense qu'au centre commercial, il va vraiment falloir que je m'achète un pantalon. Hein. Parce que finalement, ben, moi, je pensais qu'ici, il ferait plus chaud qu'en France. En fait, pas du tout. Ici, ça caille. Il fait... Je crois que quand on est arrivé, j'ai vu sur mon téléphone, il faisait 23 degrés. Donc 23 degrés, là, sur la côte, on est déjà à 30, presque. Donc, même pas presque, hein. L'autre jour, il a fait 30. Donc du coup voilà, je pense que je vais m'acheter un pantalon, tu sais, un petit jog ou quoi pour quand il fait froid. Parce que voilà, je suis parti, moi j'ai pris que des robes, des jupes, des shorts et tout, donc j'ai rien de long. Donc voilà, voilà voilà mes amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la journée. Regardez-moi les amis ce petit centre commercial en plein air là, c'est tellement mignon. C'est mignon. Regardez, je vais essayer de vous montrer quelque chose. C'est sympa, hein? Les manettes, vas-y. Non mais sinon c'est vraiment magnifique quoi. C'est balnéaire, ça fait vacances, c'est dépaysant, ça fait un bien fou, c'est magnifique. Voilà, donc on va se balader un peu, on va voir 2-3 magasins. Et voilà. Re tout le monde, bon bah écoutez c'est parti, nous allons à la plage. Donc je suis en bikini vraiment coloré. Là, je vous montre dans la glace. Voilà, mon outfit de plage. Que j'adore.
Donc, écoutez, on va se faire dorer la pilule. On va se faire bronzer le cucu. Voilà, parce que là, je suis un peu palote. Et puis, bah écoutez, je vous reprends plus tard. Et si je vlogue là-bas, je vloguerai avec mon téléphone parce que je vais pas me trimballer l'appareil photo, hein, je vous dis la vérité. Donc voilà, on va peut-être manger un petit truc aussi. Donc je vous embrasse et parce je vous dis là, à plus tard. C'est Ramadan depuis quelques jours. Ouais, grave. Là, franchement, depuis hier, on a rien mangé. Mais j'ai pas faim. Je te jure, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pareil. J'ai pas c'est faim. Un truc. J'ai vraiment pas faim. Non. Bon, à plus les amis. Et voilà les amis, regardez où nous sommes. Bon, mon téléphone bug la vidéo, hein. Mais écoutez, voilà. Regardez-moi ça. Escalope milanaise de ouf. Avec des frites. Petit verre de vin. Face à la mer. Gracias. C'est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. C'est le paradis. Voilà. Bon appétit les amis. Regardez les amis. Carmela fait une fiche pédicure. Moi je peux pas. Je vous dis la vérité, je peux pas. Moi, je le ferai pas. Mais voilà, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, je peux pas. Voilà, les amis, nous sommes à la plage. Donc, on s'est trouvé un petit coin tranquille où il n'y a personne. Et regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est fabuleux. Donc, écoutez, on se fait rôtir un peu. Et puis on est bien, franchement il fait ni trop chaud ni trop froid. Je fais que te dire ça mais c'est vrai. Il fait vraiment température idéale quoi. Le soleil il tape juste comme il faut, pas trop. Il y a le vent donc ça calme le soleil. Enfin c'est génial, c'est génial, c'est magnifique, c'est royal mes amis. Je vous conseille vraiment cette destination. Je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait être bien mais à ce point là. Franchement. Ah ouais, ravissant. Hello! Qu'est-ce que t'as fait? T'as accroché les lunettes dans le rideau. Dans mes cheveux. Ah! Ah, j'espère que vous allez bien, les amis. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai cramé hier. Ouais, c'est vraiment dramatique. Je suis rouge. En fait, c'était extrêmement traître parce que, ben, beaucoup de vent. Donc, on sentait pas le soleil. Donc, moi, je. Et là, à la caméra, je vois. Non, c'est abusé. Je suis beaucoup moins rouge en vrai. Hein. Attendez. Voilà, là on voit mieux parce que là j'étais rouge écrevisse dans l'écran, c'était je suis moins rouge que ça dans l'écran. En tout cas, donc là on va sortir, on va se poser dehors, on va peut-être manger un petit truc. Déjà ouais, j'ai même pas fait le compte rendu d'hier soir, moi j'enchaîne. Bah écoutez, hier soir on est juste allé boire un petit cocktail au bord de mer, c'était très sympa. On a bien rigolé. Il y avait une boîte de nuit en face, alors la boîte de nuit c'était l'hécatombe, il n'y avait pas un chat dedans, en même temps il passait de la musique pourrie, vraiment. Et sinon, ben, on est rentré, on s'est posé, on a dormi, et là on va aller se poser quelque part, manger un petit truc et tout, on va faire quelques magasins. Et puis je vais surtout aller à la pharmacie, acheter une crème pour ma peau, parce que bon là je me suis tartiné de SPF 50, hein, je vous préviens. Et puis voilà mon petit outfit du jour. Je suis dans une petite robe des années 2000 que j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc je vous laisse, on va y aller et je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bisous. Re mes amis, bon bah écoutez, on est dans un petit resto anglais, c'est ça. Hein, et on a commandé un fish and chips. Je crois que le vieux il est parti avec sa canne à pêche pour nous ramener le poisson. Parce que ça fait au moins une demi-heure qu'on attend le poisson. Moi j'ai faim. On s'est pris un petit verre. En attendant, le vin il est dégueulasse. La biquette. La biquette. La biquette. Parce que la biquette c'est une chèvre. Comment il s'appelle ce truc? The Cozy Café. Si vous venez à Tenerife, je vous recommande pas vraiment. En tout cas, si vous voulez boire du vin, je ne vous recommande pas du tout de venir ici. Et si vous êtes pressé, je vous recommande pas de venir ici non plus. Après, je vous dirai comment est le poisson. Parce que si ça se trouve, on attend, mais. Eh bien, super bon. En tout cas, ils sont très accueillants. Oui, c'est très gentil. Et après, ici, partout. Hein. Ouais, les gens, ils sont très gentils. Les touristes en sont, parce qu'ils sont comme la lune. Ouais. Les trois fois cochères hier soir. Ouais, ouais. Je vous raconterai cette histoire après, en rentrant. Mais voilà, bon, je vous montrerai le plat quand ça arrive. Donc voilà, mes amis, le fish and chips. Donc bon, écoutez, on a attendu plus d'une heure pour l'avoir. Donc j'espère qu'il est bon. Je vous ferai un compte rendu en sortant. Mais voilà, notre petit repas.
Bon bah mes amis, petit compte rendu du resto, bon bah c'était délicieux, mais vraiment, ouais. Vraiment c'était super bon. Franchement. Par contre, 1h30 d'attente, non. Donc si vous avez le temps, je vous le conseille. En fait, ils sont mal organisés quoi. Ouais. Mais après c'est dommage parce que c'est vraiment délicieux quoi. Tout est fait maison. Le poisson il est frais. Ah ouais, le filet de poisson il était, c'était de la morue. Pané, délicieux. Franchement délicieux, mais ouais, trop de temps. On a ramené Ophélie à Tenerife. Ça ne durera pas. Les gens ils sont choqués. Tu m'étonnes. On leur met l'ambiance. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ouais, hier j'ai pas trop vlogué, mais on est sorti le soir. En fait on a passé l'après-midi dehors, on est allé boire un cocktail qui nous a mis à genoux. Mais vraiment. Oui, faible. Putain, en fait avant-hier soir, on s'est posé au Papagayo, qui est une discothèque pourrie. Mais sinon il y a un très bel endroit à l'extérieur pour boire un verre. Donc pour boire un verre c'est cool, franchement, faut le dire. On a bu deux cocktails chacune à 14 euros. Ils nous ont rien fait du tout, ni chaud ni froid. Le lendemain, on a trouvé un truc sur au port Colomb. Cocktail 4,95€, on en a bu un, on est rentré à genoux. Voilà. Et en fait, en rentrant du port Colomb, on a trouvé un petit bar avec une Française qui tenait le bar. Donc du coup, on a un peu sympathisé, elle nous a dit bah revenez et tout machin. Donc le soir, on est retourné. On a bu un coup et puis après on est rentré, on s'est perdu. J'ai dû mettre le GPS et on a réussi à rentrer quand même. Donc voilà, nous sommes toujours vivantes, Dieu bénisse. Et là, bah écoutez, on s'apprête à sortir. Alors il fait pas très beau aujourd'hui, il fait gris, mais franchement tant mieux pour ma peau parce que j'ai chaud à la peau, les amis. Je vous dis la vérité, j'ai chaud à la peau. Donc voilà, on va sortir, on va manger, je vais vous montrer ce qu'on mange. Et puis voilà, hein. Voilà mes amis. Ce matin on s'est fait un petit bain dans la piscine, mais vu qu'il n'y a pas de soleil en fait, c'était un peu froid quoi. Donc je me suis fait une petite trempette vite fait. Mais c'était bien quand même, il n'y avait pas un chat, donc ça c'était cool. Et puis voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà les amis, on s'est posé ici, donc on est au restaurant Europa. Pizzeria, restaurant Europa. Et on est bien. Franchement, on est bien. Avec les petits cactus en bas. Il fait super chaud. Il fait très bon. Non, il fait pas super chaud. Moi, j'ai chaud. T'as chaud toi? Ah, oui. Moi je suis juste bien. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Et puis voilà, je me suis pris un petit cocktail sans alcool parce qu'il faut pas déconner. Hein, j'ai pas envie de rentrer à genoux. Et voilà les amis, ça vient d'arriver nos plats. Donc j'ai trop faim, ça sent trop bon, je vais manger. Alors d'ailleurs, je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait deux escalopes de poulet. Et Carmela, ça... 10,95€, hein, franchement. Avec la vue paradisiaque et tout, le cocktail, machin. Et Carmé ne s'attendait pas à ce qu'il y ait deux poissons. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit échange. Comme ça, on a chacune un poisson et un poulet. C'est cool. Les patates. Très 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 bien. Donc je vous laisse. Nous allons nous restaurer. Les grandes dames, genre. J'adore. Et je vous souhaite un bon appétit. Regardez les amis, j'ai jeté mon glaçon en disant je vais hydrater les cactus. Et au final, ben c'est un lézard. Je vais vous faire une glace à un lézard. Il y en a deux, regarde. Oh, il y en a un deuxième. Je t'ai dit, on arrive à 10. Là. Oh. Oh putain, il a fait fuir. Saleté. Oh, mais c'est trop mignon. Il est pas content. Non, là c'est son glaçon lui. Hein. Il a mis à la main. Une petite langue. Trop mignon. Eh ben écoute, régale-toi bien. Hein. Ouais, il est pas content, il est pas content. Ça, c'est lui, c'est le mâle dominant. Alors du coup, bon bah nous sommes rentrés. Parce qu'on a marché encore tout le long de la côte et
On a fait quelques petits magasins vite fait comme ça. Et il faisait une chaleur très lourde. Et je suis rentré, on est rentré, on s'est écroulé devant la Panthère Rose. On a pris 2 heures de pause, on s'est reposé. Et là, on repart, on va aller dans le petit centre commercial qui est à côté. Et puis, on va se balader un petit peu. Et puis après, on va repasser ici et on va partir manger. Donc, je vous emmène. Et puis, je me suis acheté ce petit t-shirt de cagole sur la route. Et voilà, je le mets parce que l'autre, le rose, là, il est liquéfié de ma sueur. Donc du coup, voilà, j'ai mis celui-là. Et c'est très bien comme ça. Voilà, les amis, je vous laisse. Il fait beau, il fait bon. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est merveilleux. Donc je vous laisse, je vous emmène avec moi. Et je vous dis à plus tard. Ah, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, nous on est allé faire notre petit shopping décevant. Hein? Non mais c'est vrai. Le mot est faible. En fait, on a trouvé un McDo, j'allais dire. Non. On a trouvé un Mango Outlet. Et en fait, les trucs sur les cintres sont magnifiques. Ouais. Non, il faut le dire. Que sur les cintres. Que sur les cintres. Ou alors c'est nous, on a un souci. Alors c'est nous, on a un souci de morphologie, je sais pas, mais en non, tout non, cas. T'as vu la... Non. Non, ah, en vrai, je sais pas, c'est mal coupé. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un souci. Je sais pas, mais on a essayé plein de trucs, rien n'allait. Rien. Rien. Donc du coup, ben, notre shopping, moi je voulais m'acheter un pull pour demain parce que ben, demain, en fait, on va. On prend un bateau pour faire une excursion pour aller voir les dauphins et les baleines. Et on avait eu peur d'avoir froid, donc on s'est dit qu'on s'achèterait éventuellement un pull. Sauf que il n'y avait pas de... Une petite laine. Non, voilà, une petite laine. Il y avait des fourrures carrément, avec des blousons de malades inopinés. Ouais, wow. C'est clair. Il y avait des énormes manteaux et tout. Enfin, bon, on va pas prendre ça quand même. Faut pas exagérer. C'est pas ouf. Mais ouais, on voulait se prendre une petite laine, tu vois. Un petit cardigan, un petit pull léger, quoi. Il y avait rien. Il n'y avait rien de... J'ai même essayé une robe. Toi, t'as essayé je sais pas combien de robes. Tellement. Des shorts, des jupes. C'est la première fois de ma vie que j'essaye autant de vêtements dans un magasin. Ah ouais. J'ai jamais fait. Non. Et rien n'allait. Rien n'allait. Que ce soit Carmé ou moi, rien n'allait. C'était pas flatteur. Ça faisait pas un beau corps. C'était pourrave. Donc du coup, on est revenu de notre shopping un peu bredouille. Et là, écoutez, il va être 10h, je crois. On s'apprête à aller... Voilà, c'est ça. On va manger mexicain et puis on va se boire un petit cocktail, je pense. Et puis on va aller faire un petit tour au casino. Donc souhaitez-nous bonne chance pour qu'on gagne de la thune, ma foi. Mais on va pas jouer beaucoup, hein, clairement. Ouais, et au pire, on va s'amuser. Ouais, au pire. C'est juste pour rigoler. C'est juste pour rigoler. C'est pas pour. Voilà. C'est pas pour gagner ou quoi que ce soit. C'est juste pour passer un bon moment, rigoler. Mais si on gagne, c'est un plus, ma foi. Ma foi. Et puis voilà, on va jouer 20-30 balles, quoi. Pas plus. Et puis voilà, donc je vous laisse, j'essaierai de filmer un peu le casino si j'ai le droit, j'essaierai de prendre des photos. Et puis voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à plus tard. Et voilà mes amis, petit cocktail, il est délicieux je vous jure, c'est un Hawaii Blue, c'est ça? Super bon, délicieux. Et les cocktails ici sont à 4,95€. Comparé à la Côte d'Azur où ils sont à 16 balles, je peux vous dire que ça fait du bien. Et puis, en fait, on est au même endroit que ce midi, en fait. On est au Europa. On est revenu ici parce que c'est tranquille. On est tranquille, il y a un peu de musique et tout. On est au bord de mer, il fait bon. Enfin, on est très bien. Donc voilà, petit cocktail. Et alors, figurez-vous, les amis, vous devinerez jamais ce qu'on a commandé. Du homard. Ah ouais, on a fait les bourgeoises ce soir. On va manger du homard. Confidence pour confidence, les amis, je n'ai jamais goûté le homard de ma vie. Donc je veux au moins goûter une fois dans ma vie. Là, c'est l'occasion. Il n'est pas très cher ici. Donc je vais goûter. Je vous ferai un compte rendu de comment je trouve le homard. Et puis voilà, en attendant, petit cocktail et on est au paradis. On est au paradis. C'est le paradis. C'est le paradis. Et voilà les amis, la bête. Donc on a demandé une moitié parce que clairement je vais pas manger un homard entier. Donc voilà, nos homards.
Ah là là, bah, ça va être une première pour moi les amis, hein, je vous le dis. J'ai jamais mangé de homard de ma vie, donc c'est parti. On se lance dans l'aventure. Et souhaitez-moi un bon appétit. En tout cas, c'est joli, hein. La pince et tout. Le pauvre, le pauvre. J'ai mal au cœur, je te jure. Bon, je vais goûter pour pas mourir bête, mais j'ai mal au cœur. Je te jure, j'ai mal au cœur. Dans la mer, mange. Bon, voilà. J'ai goûté le homard. Alors, c'est très bon. Mais là, c'était vraiment décevant, quoi. Niveau rapport qualité-prix. Ah ouais, là, y a rien à manger dedans. Ouais, bah oui, bah normal. Il y avait 3 grammes de viande dans le homard. J'ai à 39 euros de frites. Ouais, il y a rien. Franchement, il y avait rien dedans. 39 euros pour ce qu'il y avait dans l'assiette. Non, non. Et puis alors, c'est très bon. Je suis contente d'avoir goûté parce qu'il ne faut pas mourir bête. Ouais. Voilà. Il fallait que je goûte un jour dans ma vie quand même. C'est bon. Mais c'est pas. Voilà. C'est pas pour le prix que ça coûte, pour le cinéma que les gens en font. Je trouve que non. C'est franchement, non, j'en mangerai plus. Non, mais là, je pense que c'est vraiment le lieu qui fait que. Ouais, mais. On a mieux mangé dans le restaurant, on a attendu longtemps là. Ah oui, 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 oui. Hein, franchement, le. Le restaurant anglais, là, le Cozy Café que je vous ai dit l'autre jour, où on a attendu plus d'une heure et demie, le fish and chips. Allez-y. Ouais, non, en vrai, à côté. Si vous n'êtes pas pressé, allez-y. Mais c'était délicieux. Le filet de poisson immaculé, blanc, délicieux, tendre. Mais même les escalopes à midi. Oui, on a mangé ici les escalopes milanaises et le filet de poisson pané. À midi, c'était délicieux, mais là, le homard, non, non. 39 euros le homard, non. Pour ce qu'il y a dedans, c'est non. No way. Non, no way. No way. Non. J'ai essayé de gratter au serveur pour avoir un dessert gratuit, il a dit non. J'ai dit ah, ok. Bah, tu m'étonnes, comme client presque. Oh, ouais, d'accord, mais bon, ouais. Pour ce qu'il y avait dans le homard, fais un geste commercial, tu mais vois. Il n'y a pas de geste commercial. Ah, une glace, une boule de glace à la vanille, quoi. Enfin, fais un effort. Je sais pas, fais un effort. Une cigarette russe. Même pas. Même pas ça, on a eu. Bon, en tout cas, ouais, le homard, je suis pas subjugué. Genre, c'est très bon, mais pour le cinéma, la réputation que ça a et tout, non, non, franchement, non. Non, je pense que j'en mangerai plus. Je mangerai du crabe, c'est très bien. Voilà. Franchement, ouais. Je même la crevette, c'est meilleur. La crevette, c'est bon. Enfin, c'est meilleur que là. Oui. Parce que d'habitude, le homard, je te garantis que c'est pas ça. Bah, peut-être que j'en remangerai dans ma vie dans un. C'est cher, quoi. Bah, là, il n'y avait rien. Tout était vide. Là, il n'y avait rien. La pince, elle était complètement vide. Le corps était vide. La queue, il y avait un peu dedans. C'est le seul. C'était un homard anorexique. Voilà, c'était un homard squelettique. En fait, dans la queue, moi, c'est dans la queue qu'il y avait à manger. Hein. C'est le seul endroit où il y avait un peu de viande. Et ouais, j'ai mangé la queue en une minute. Oh, dans la pince. Ouais, toi, t'avais un peu dans la pince. Moi, j'avais ça dans la pince. 1 cm de viande. Et dans la queue, j'avais quoi, 5 grammes. Même et pas. Les boyaux, ils nous ont laissé les boyaux, tu sais. Ouais, ils ont laissé les boyaux. Donc, ouais, c'est pas top. Après, peut-être si j'en mange dans un meilleur endroit, je kifferais mieux. Mais là, non. Donc, voilà l'update sur le homard, les amis. Et puis, sachant comment ils sont tués, je préfère ne pas en manger. Vraiment, vraiment. Pour ça. Ah, pour ça, oui. Ah, non, et bouillant. Pour ça, oui. Ah, ouais, non, ça vaut pas le coup. Donc voilà les amis, l'update. Donc écoutez, on va se contenter du cocktail. Donc je vous embrasse très fort et salud. Ah, Casino Playa de las Américas, nous voilà. Donc c'est parti, on va rentrer dedans et puis j'espère que je pourrai me faire des photos de Poufias. Donc écoutez, c'est parti, souhaitez-moi une bonne merde et on espère qu'on va gagner un petit peu de thunes pour se rembourser ce homard décevant. Bon, mes amis, mes amants, mes emmerdes, il faut que je vous partage ma déception. Non, mais parce que là, bon, vous ne me voyez pas, d'accord. Non, là, on voit rien. Attends. Là, on voit un peu mieux. On s'est fait enfourner au casino, pour ne pas dire enculer, d'accord. Non, parce que là, franchement, honnêtement, on a mis 20 euros dans la machine. On a duré 4 secondes. 4 secondes. Mais vraiment, on s'est fait arnaquer. Mais alors, ce soir, la soirée de ce soir, c'est le thème de l'arnaque.
pire que le homard. Ah mais vraiment là, franchement, le homard avec 3 grammes de viande dedans, le casino, une seconde de jeu. Non, franchement, on s'est fait entuber. Ah non, si vous venez à Tenerife, vraiment, le Playa de las Américas Casino, jamais de la vie. Vraiment, non, faut pas y aller. Ah, 20 euros, une seconde, un coup on a fait. Et le restaurant Europa. Ouais, le restaurant Europa. Allez manger du poulet, du poisson, mais pas du homard, vraiment. Et puis le casino, n'y mettez pas un pied, ça sert à rien. 20 euros, un tour. Pendant qu'on joue, le mec il nettoie. Ouais, pendant qu'on joue, le mec il désinfecte les machines à côté. Et puis, non, vraiment non, ça, mais non. Non. Donc écoutez, on va aller se coucher maintenant. Ouais, puisque demain, elle est balayée. Voilà, demain, voilà, je vous filmerai tout ça et ce sera beaucoup plus intéressant que la soirée qu'on vient de vivre. Ouais. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne nuit. Moi avec. Hello tout le monde! Bon bah écoutez, après cette soirée d'arnaque totale, en tout cas là on part aux baleines. Donc j'ai trop hâte de voir ça. Donc je me suis mise en maillot parce qu'on va nager après. Donc voilà, je vous embarque avec moi et j'espère que ce sera magnifique. Ça va l'être de toute façon. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Ça y est les amis, on attend pour monter dans le bateau. Regardez, il y a plein de crabes. Regardez comme il est mignon. Oh, là-bas, il y en a un autre. Il y en a plein, en fait. Ils sont énormes. Regardez là encore. Trop mignon. En tout cas, voilà, ça, c'est notre bateau. Ça y est les amis, nous partons. Ça y est, au revoir le port Colón. On s'en va. On va vivre un dream éveillé. Regardez comme c'est joli ici. Là on a des élevages d'huîtres ou de moules, je sais pas. Des deux. D'huîtres. Voilà. Ça sent la moule. Trop trop beau. Magnifique. Ça y est les amis, nous avons accosté, donc désolé pour le brouhaha autour.
bilan. Update. Ce n'était pas des dauphins, c'était des baleines que j'ai filmé. Nous étions convaincus que c'était des dauphins, alors que pas du tout. C'était des baleineaux. Des baleineaux. Des petits baleineaux. Donc, ben voilà, en fait, on n'a pas vu de dauphins aujourd'hui, c'était des baleines. Voilà, voilà, voilà. Parce que moi, j'étais en train de... on était en train de râler, comme jamais, en train de dire... Pire qu'avec le homard. On n'a pas vu un baleineau, quoi. Et en fait, si, on en a vu plein. Donc voilà, je suis très contente, j'ai vu des baleines. Tant pis pour les dauphins, il n'y en avait pas. De toute façon, il a dit, le monsieur au début de l'excursion, il a dit... les dauphins, c'est pas sûr qu'on en voit, mais les baleines, c'est sûr. Et j'étais énervé parce que je me suis dit, comment il dit ça, et on voit plein de dauphins et pas de baleines. Mais en fait, voilà, c'était des baleines. Donc, très jolie balade, très sympa. Maintenant, j'ai envie de faire pipi et j'ai faim. Donc, on va se poser dans un petit resto, là, qu'on est allé boire le cocktail qui nous a mis sur les genoux. On va aller dans ce truc-là et puis on va manger un petit truc et ça va nous faire du bien. Je vous embrasse. Et voilà les amis, après l'effort, le réconfort, malgré qu'on n'a fait aucun effort. On a juste fait les poufias à prendre des photos sur le bateau. Mais voilà, là, franchement, j'avais trop faim, je commençais à avoir la gerbe sur le bateau, donc ça va me faire du bien. Et évidemment, un petit cocktail, hein, bien sûr, qui va nous foutre à genoux, ou pas. Mais voilà, donc je vous souhaite un bon appétit si vous regardez ça en mangeant. Bon app. Regardez-moi ce carrelage. Magnifique. Les sirènes. Non, elle est où la sirène? Il y a des pêcheurs. Il y a plusieurs, il y a là. Ah oui, voilà. Voilà. Non mais regardez-moi ça. Comme c'est beau. Magnifique. Et toute la rue, elle est comme ça. Hein. Splendide. Vraiment. Voilà mes amis, le repas de ce soir. On est allé dans un resto mexicain. J'ai pris un poulet à la mexicaine. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Moi j'adore. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Et puis bien évidemment cocktail, hein. Of course, obligation. Ah, j'adore, regarde. Ah ouais. Ah. Hey. Ah ouais. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hier j'ai pas vraiment filmé, pas du tout même. Faut être honnête, j'ai pas du tout filmé. Après
Après, on n'a pas fait grand chose hier en vrai. On s'est juste. On est allé boire un petit déj. Ouais, prendre un petit déj. Enfin, un petit déj, tout est relatif. J'ai mangé des frites et un œuf au plat. Donc... Mais sinon, après, ouais, on est rentré, on s'est posé un petit peu. L'après-midi, on est allé boire un cocktail en plein cagnard qui nous a mis sur les genoux. On est rentré, on s'est fait un yatsé, on a bu encore 4 verres. Ensuite, on est sorti manger. Carmel a pris une paella, c'était une tuerie. Moi, j'ai mangé encore une escalope milanaise. On a bu un autre cocktail dans ce restaurant qui nous a mis à plat ventre. On est rentré carton. Mais quand je vous dis carton... Plus de souvenirs, moi. Alors là, Carmela blackout, carrément. Ah ouais, c'était chaud hier soir, c'était chaud. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été bourré comme ça. Mais bon, faut profiter, c'est les vacances, quoi. Grave, on l'avait dit, hein. Voilà. Donc du coup, voilà le pourquoi du comment. Je n'ai pas pris la caméra hier, encore moins hier soir. J'avais pas envie de vous faire honte. Et sinon, aujourd'hui, bah écoutez, programme de la journée. Là, on se réveille tranquille, hein, parce que voilà, vu les tailles. Putain, bah Nuisette, elle se décompose. Carrément. Donc, il n'y a que se lever, toi, avec les travaux, là. Ouais, par contre, ce qui fait chier, c'est que c'est plein de travaux. Et tous les matins, on est réveillé par les travaux, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Comme ça, au moins, on dort pas jusqu'à je sais pas quelle heure. C'est ça. Et puis, bah là, du coup, aujourd'hui, bah, ce matin, on voulait aller un peu profiter de la piscine, mais. J'arrive pas. Il fait très nuageux et il fait pas chaud, pour être honnête. Et du coup, bah, on va. On va voir ce qu'on fait et puis après cet après-midi à 13h on va aller se faire tatouer pour garder un souvenir à vie de ces vacances. Et puis je vous montrerai en temps et en heure ce qu'on fait. Et puis après on va aller voir les horaires de bus pour demain, parce que demain on va prendre le bus pour aller à l'aéroport. En plus il y en a un qui va direct à l'aéroport, donc c'est parfait. Et puis ce soir, bah écoute, je sais pas ce qu'on va... Ah bah si, je sais très bien ce qu'on va faire. J'ai complètement oublié, on va en discothèque ce soir, messieurs, dames. Bon les amis, la batterie vient de me lâcher comme jamais, donc j'étais en train de vous dire que ce soir, on va en discothèque pour notre dernière soirée, parce qu'en plus, on est vendredi soir, parce qu'on avait voulu y aller un soir, je crois que c'était mardi soir, mais bon, bah tout était fermé le mardi. Je crois qu'ici, les boîtes, elles sont ouvertes le jeudi, vendredi, samedi. Donc voilà, comme ça on y va ce soir pour notre dernière soirée. Et puis voilà quoi, hein. Donc là on est encore au café, donc je vais vous laisser. Et on se réveille tranquille. Et je vous reprends plus tard. Ça y est les amis, on y est. C'est là qu'on va se faire tatouer. Donc voilà, c'est parti, je vous montrerai ça après, quand ce sera terminé. Regardez les amis où nous sommes, c'est magnifique. On est vraiment, on est assise là, presque dans la mer. Voilà. C'est sublime. Donc sinon les tatous sont faits. Vous voyez pas ce que c'est, je vous montrerai plus tard. Mais voilà, Carmela le tatou, magnifique. Quelles sont tes impressions? Ah, j'ai eu super mal, mais je m'en fous. J'ai kiffé souffrir là. Non, c'était génial, franchement. Ouais. 50 balles le tatou. Ouais, franchement, c'est pas en France qu'on voit des prix pareils. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, j'ai payé 70 euros. Vous verriez mon tatouage, le nombre de détails qu'il y a dedans. Je vous montrerai en détail tout à l'heure. Mais là, waouh. Non, c'est très très bien. La vue est magnifique. Donc écoutez, on n'a pas faim au point de manger un repas. Donc on s'est pris un petit goûter. On a déjà fait le repas, lol. Ouais, enfin, si t'appelles ça un repas, non, toi. Non, pas du tout. Parce qu'en fait. Pour ça, je dis lol. Voilà. Juste avant, on a mangé dans un snack en face de chez le tatoueur. Un snack pourri. Mais pourri, hyper cher pour 4 merdes, enfin bref. 5 nuggets de Netto. Ouais, 5 nuggets surgelés du Netto, donc bon bof. Donc je vous conseille, si vous venez sur cette île, d'éviter les snacks. Voilà, évitez vraiment les snacks. Prenez-vous un resto, franchement c'est quasiment le même prix, enfin pour pas grand chose de plus et c'est tellement meilleur. Donc là, voilà, on se fait un petit goûter, on va se prendre
un cappuccino avec une part de gâteau. Toi, t'as pris pomme. Ouais. Et moi, chocolat. Voilà. Comme ça, on goûte mutuellement l'un de l'autre. Comme d'hab. Et voilà. Je vous remontre encore la vue, mais on est tellement bien. On est à l'ombre. Il fait bon. C'est un régal. C'est magnifique. Bon, mon appareil photo déconne, hein, les amis, mais magnifique. Voilà, nos cafés sont arrivés. Non, mais regardez-moi ça. Le cappuccino, il est magnifique. Moi, je l'ai goûté. Il est délicieux en plus. Donc, vraiment, je vous conseille de venir ici. C'est le Wolfie. Si jamais, boire un café et manger un gâteau parce que top du top. Et voilà, les gâteaux sont arrivés. Donc, le mien, chocolat et le pomme. Magnifique. Grosse part, vraiment grosse part. Je vous conseille, si jamais. 6 euros, cappuccino plus le gâteau. Vraiment, ça vaut le coup, quoi. Puis, voilà, quoi. On est bien, là, hein. Franchement. Grave, énorme, le truc. J'adore. Voilà, mes amis, repas du soir. Donc, bah écoutez, moi, j'ai pris un poulet mexicain avec des frites. Et Carmé Fish and Chips. Voilà. Bon appétit, ma belle. Bon appétit, ma belle. Et puis encore avec une vue fabuleuse. Hein. Évidemment, de toute façon, tout est beau ici. Donc, merveilleux. Regardez-moi ça. Bon appétit. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le départ. Je ne verrai plus ça en me réveillant le matin. J'ai envie de crever. Ah non, mais j'ai vraiment pas envie de partir. Hein. Je suis tristesse. Ouais, franchement, magnifique. C'était super. J'espère que vous avez aimé ce vlog. En tout cas, ben écoutez, là, on a préparé toutes nos affaires. On a mis notre linge sale à tourner. On l'a étendu, séché, rangé, plié, tout ce que vous voulez. Enfin, on a tout fait, voilà. On a comme ça, on a laissé le logement propre, comme quand on est arrivé. Et là, on va sortir manger. Donc, on a très envie de manger le j'arrive plus à le dire. Le fish and chips. Le meilleur qu'on a mangé ici, c'était au Cozy Café, celui où on a attendu 1h30. Donc là, on s'y prend à l'avance, au cas où on réattend 1h30. Non, mais vraiment, parce que. Donc on va manger ça, on va manger un bon fish and chips avant de partir du Cozy Café. D'ailleurs, ben, malgré l'attente, je vous conseille d'aller manger un fish and chips là-bas parce que vraiment, ah mais vraiment, ah ouais, le poisson il est frais qu'il en peut plus, la panure elle est faite maison, enfin tout est fait maison. Le filet de poisson il est immaculé, il est blanc, blanc perle. Donc non, vraiment il est super bon. Je vous le conseille si vous venez ici, le Cozy Café. Sinon, bah, on va manger et puis bah, écoutez, après on va revenir prendre nos affaires et quitter. Quitter. On va prendre le bus pour rentrer, c'est le bus numéro 40 et puis voilà, après on va aller à l'aéroport, prendre notre avion et rentrer chez nous. Voilà, donc là il est quelle heure actuellement? Midi? Non, 11h05. Ah c'est tout? Non, on a le time. Il est 11h. On va prendre le bus vers 14h30 et après on a l'avion qui décolle à 16h25 je crois. Et avec le décalage horaire on arrive à 21h20 à Nice. Donc voilà, je vous embarque avec moi et puis souhaitez-moi bon courage pour l'avion, j'ai peur. Voilà, à tout à l'heure. Voilà mes amis, on est au Fish and Chips. On a beaucoup moins attendu longtemps que l'autre soir, que l'autre midi. Et donc voilà, bah écoutez, on va se régaler une dernière fois avant de partir. Et voilà. Voilà. Eh ben ça y est mes amis, c'est le départ. J'ai pas envie de partir. C'est la fin des haricots rouges. I'm afraid de l'avion. J'ai peur de l'avion. J'ai pas envie de prendre l'avion. J'ai envie de rester ici. De tout ramener ce qu'il y a de chez moi ici. Ben voilà, direction l'aéroport et puis on va prendre l'avion quoi. Vous lisez le désarroi sur mon visage. Allez, à plus tard. Et coucou. Regardez qui j'ai retrouvé en rentrant à la maison, bébé. Oh mon bébé.
Oh, il m'a manqué, ce petit. Oh. Oh là là, ça m'a manqué, ça. Oh, ça m'a manqué. Oh, ça m'a manqué. Oh. Petit ange. Où c'est bébé, ça? Où c'est un bébé, ça? C'est mon petit. Bon, là, on est le lendemain, hein. Mais je l'ai retrouvé hier soir. Hier soir, j'ai pas filmé, je suis rentré, j'étais claqué. Mais voilà, j'ai retrouvé mon fils. Je lui ai fait plein de bisous. Plein de bisous, mon petit. Il était très content de me retrouver. Un petit cœur. Bon bah mes amis, je vais vous clore le vlog maintenant parce que bah voilà, ça y est, hein, je suis rentré, les vacances sont terminées. J'ai envie de mourir, je suis trop dégoûtée, je vous jure, j'étais tellement bien là-bas. Là, voilà, je suis sorti, j'ai marché 5 minutes pour aller à ma voiture, je suis en nage, il fait une chaleur accablante, on ne respire pas ici. Alors que là-bas, putain, c'était le juste milieu quoi. Ni trop chaud, ni trop froid, un petit vent parfait, enfin... Je n'ai pas transpiré dehors, là-bas. Là, j'ai marché 5 minutes, je suis en nage, on dirait une vache. Donc, je suis dégoûté. En tout cas, avant de vous quitter, je vais vous montrer les petits souvenirs que j'ai achetés à ma maman. Parce que, voilà, j'ai pris des souvenirs pour mon copain, pour Sarah et pour ma maman. Donc, pour mon copain, je lui ai déjà donné, donc je vais pas pouvoir vous les montrer. Mais en gros, je lui ai ramené des clopes, je lui ai ramené un bracelet, vous savez, en corde marron, un peu beige avec un coquillage au milieu. Qui fait très vacances. Et je lui ai ramené une casquette, une fausse casquette Gucci. Ouais, parce qu'il faut savoir que là-bas, c'est la folie furieuse de la contrefaçon. Hein. Ah, il y a de la contrefaçon partout. Donc du coup, bah, vu que je sais qu'il aime bien, bon, j'en ai ramené une, hein, voilà. Ensuite, donc, pour Sarah, contrefaçon aussi, je lui ai ramené un petit t-shirt Chanel que je me suis acheté en blanc. D'ailleurs, je pense que vous l'aurez vu plus tôt dans le vlog. Je l'ai porté à un moment, je crois. Donc je lui ai pris en noir, parce que je sais qu'elle préfère le noir. Et je lui ai pris une magnette, je sais pas comment on dit. Une magnette magnifique, comme ça, Tenerife, avec un papillon vert à paillettes et des roses roses. Parce que je sais que Sarah, elle aime le rose. Donc voilà, j'espère qu'il lui plaira. Ensuite, pour ma mère. Donc pour ma mère, d'ailleurs je vais lui apporter là, ma mère. Donc pour ma mère, j'espère qu'elle s'est pas trop abîmée, je lui ai pris une carte postale magnifique. Absolument magnifique, hein. Vista Isla de Tenerife Romantica. Avec deux perroquets sublimes, comme ceci. Et en plus, le pire c'est que j'ai pris une magnette aussi, et j'ai pas fait exprès. Vraiment, c'est pas fait exprès. Je m'en suis rendu compte après en faisant le tri des cadeaux, c'est exactement les mêmes perroquets. Le bleu et le rouge. Voilà, la magnette Tenerife comme ça, magnifique. C'est pas fini. Voilà. Ensuite, je lui ai pris une serviette. Alors là, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que sinon ça va être l'enfer pour vous la montrer. Mais c'est une serviette comme ça, orange, avec des perroquets, avec écrit Tenerife. Vous avez le plan de l'île avec les noms des endroits et tout sur la serviette, hein, tout ça. Et en bas, des dauphins. Donc voilà, magnifique. Moi, je me la suis achetée en rose. Rose violet, fuchsia. Ensuite, je lui ai pris pour elle et son copain le même bracelet parce que je sais qu'ils aiment bien les deux avoir les mêmes bijoux. Donc, c'est des bracelets en lave. En pierre de lave avec un petit éléphant comme ça. Je les ai trouvés super sympas. Et puis, en lave, puisque ça tombe sous le sens, puisque Tenerife est une île volcanique. Et dernière chose, ma mère adore jardiner. Donc j'ai trouvé des semences en fait de plantes des Canaries. Donc ça c'est le drago. Donc c'est une plante verte que j'ai vu beaucoup là-bas. Les fleurs d'oiseaux de paradis. Et surtout le flamboyant. Le flamboyant c'est un arbre, il y en a partout là-bas. Et c'est tellement beau. Ça fait des fleurs. En fait ça fait comme un parasol de fleurs rouges. Comme son nom l'indique, flamboyant. Et c'est vraiment sublime. D'ailleurs, je crois que c'est l'arbre qu'il y a dans le Kirikou aussi, que j'adore. Donc voilà, j'espère que ça va pousser, ça serait trop bien. Donc voilà, tout ce que j'ai ramené à mes proches. Donc bah écoutez les amis, je vous dis tristement au revoir maintenant. J'aurais aimé que ce voyage ne s'arrête jamais. C'était waouh. C'était fabuleux, dépaysement complet. En fait, je pouvais pas me douter qu'il y avait un endroit aussi magnifique qui existait
à seulement 4 heures d'avion d'ici. Vraiment, je me doutais pas. Parce que vraiment, quand on est là-bas, on a l'impression d'être aux Caraïbes. Une végétation luxuriante, exotique, tropicale. Un climat juste superbe. La mer à perte de vue, le volcan. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment une destination que je vous recommande. Et c'est vraiment pas cher. Parce que dites-vous bien que Carmela et moi, pour le vol, on a payé 120 euros chacune. Et pour la location du logement sur Airbnb, on a payé 400 euros à deux, hein. Donc 200 euros chacune pour une semaine. Donc en tout, notre voyage, sans compter l'argent qu'on dépense là-bas pour manger, etc., etc., notre voyage, il nous est revenu à 360 euros chacune la semaine. C'est hyper abordable. C'est vraiment hyper abordable. Et sachant que là-bas, les choses ne sont pas chères non plus, vraiment, foncez. Foncez si jamais ça vous tente. Moi, j'ai vraiment pas été déçu. Hein. Donc, mes amis, je vous laisse maintenant. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog dans les commentaires. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous retrouve très prochainement dans de prochaines vidéos et sur Instagram. Parce que là, si vous voyez ma pellicule de l'iPhone, j'ai des photos comme ça, une liste longue comme le bras de photos de moi que je dois un peu retoucher, modifier l'éclairage et tout, et poster. Parce que là-bas, ben, j'ai pris des tonnes et des tonnes de photos. J'ai rien posté sur mon Instagram pour l'instant. Donc, je vais m'y mettre petit à petit parce que là-bas, j'avais vraiment envie de profiter. J'avais pas envie de passer du temps sur mon téléphone à retoucher des photos. Donc, du coup, voilà, je vais poster dès à présent. Donc, n'hésitez pas à me retrouver. Le lien sera dans la barre d'infos de mon Instagram. Je vous embrasse encore 1000 fois et je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.